dit de desafio, qui signifie défi, challenge. Sans ce mot desafio, son défi. Et professeur a été bien dit tout à l'heure, c'est défi la vie à même. C'est défi politique là, c'est défi social, c'est défi pour vivre là. Et toute bagarre dans la vie, son défi. Que nous devine là, pour nous devine la chita, tandem, son défi. Moi-même, pour me déprendre avion, vin là, son défi à 83 ans. Parce qu'on a compté combien de monde à 60 ans, cocobé. Et bien moi-même, la grâce de Dieu, vin là, il m'a parlé, pas tant qu'on est 83 ans. Pourquoi m'a parlé tant qu'on est 40 ans? Oh my God! The Indian influence in Haiti is visible in the very foundation of his society, and also in the lexicon of Creole as well, such as the word cachimbo, which we no longer use. I was just thinking about it yesterday. It's a kind of pipe, of clay pipe, especially women used to smoke in the past. Well, a curse word that comes from English as well. The word means that the colonies get your mother. That's the worst insult in Haitian Creole, by the way. I won't teach you that. All right. And the word desafio itself for the book is from the Spanish, desafio, which means challenge. Because everything in Haiti and life is a challenge. Being here is a challenge. As an 83-year-old man getting on the plane to come here has been a challenge. And I hope that, you know, you're listening to me, I sound not like an 83-year-old man, but like a 40-year-old man. La vie, c'est une histoire, mais qui est poétique. Il y a pile poésie là-dedans, parce que Franck Etienne, fondamentalement, sont poètes. Et moi, je crois que les vrais artistes sont des poètes. Ou pas besoin d'écrivain pour poète, un musicien poète, un chorégraphe, un danseur, à travers figure, les sous plateau, hein. C'est un poète lié. Nous te mettons pour sculpture, c'est poésie que la donne. Peinture, c'est poésie que la donne. Donc si l'écrit, tu avais une poésie, pas gagné. Si, ça n'a pas intéressé au lieu un livre, c'est comme une histoire. Mais pour finir l'histoire, finir comme ça que la donne, nous déposer. Ou qu'à pas jamais donner la donne. Mais l'on livre écrit avec une matrice culturelle, avec un nanan culturel, avec une matière culturelle, et poétique, excusez-moi, avec une substance poétique. Ou pas jamais quitter. Quand on ne peut jamais quitter Shakespeare, ou pas quitter Shakespeare, ou pas quitter Goethe, ou pas quitter Arthur Rimbaud. Mais n'est-ce que Victor Hugo qui écrit un paquet de romans importants, ou pas qu'à quitter. Depuis, pas de poésie, ou qu'on dit ça, pas de art. Et les pas de art, ou qu'on dit ça, artisanat. Mon qui pas artiste là, c'est artisan. I am fundamentally a poet. Two artists are poets. Whether we're talking about a musician, a choreographer, a sculptor, a painter. They're all poets. Writing without poetry is no writing. A book with a poetic core is always with you. You read Shakespeare, you read Rimbaud, you read Victor Hugo, you carry them with you because they are poets. There's no art without poetry. Alors avant d'entrer et finir avec des affaires, m'a dit que trois quatre textes là, trois quatre paragraphes. Presque toute page, le livre a gagné à peu près 300 pages, mais on gagne poésie à tout côté. Tout côté au passé, poésie à marrer. Parce que poésie, c'est nomme la vie. Et ma bonne histoire là-dedans, c'est histoire zombie. Et son façon de prendre zombie, pour me critiquer pas seulement François Duvalier, pour me critiquer Goulard. Pour me critiquer dictature en Amérique latine et pour me critiquer toute forme de gouvernement qui a maspiné, qui a triminé les hommes. Donc, ou bien nous sommes robots, ou bien nous sommes zombies. Three-fourths of desafi is poetry.
poetry is the soul of life. The story of the zombie that is at the heart of this affair, I wrote it not only to critique Papa Doc and his regime, but also to critique the Gulag, to critique the South American dictatorships, and to critique all authoritarian and oppressive regimes around the world. C'est-à-dire que œuvre Samekuya qui prend forme révolte des zombies son œuvre que m'écrit pour me faire l'homme découvrir la dignité qui est la liberté absolue pour la caille tout le monde. C'est pour perdre liberté ou perdre dignité ou pas un monde encore. This story about the revolt of the zombies, I wrote it to show that liberty is the soul of dignity. Without liberty, you have no dignity. Et pour qui ça moi dit ça? C'est parce que nous n'en malheur nous. Nous les êtres humains, Jacques, Joseph, Paul, et Antoine, et je ne sais pas, les femmes qui sont dans la salle, aussi bien que moi-même, nous-mêmes les au plateau. Hein, nous avons des structures animales, des mains, des pieds, jets, nez, tripes, sexes, avec des forces d'en bas, et les forces d'en bas sont les plus terribles. C'est le sexe que Koto a fait caca. One of our misfortunes as human beings is the animal aspects of our nature. We have forces in us that especially the lower forces, sex and excretion and so on, that we are prey to as well. Eh bien, donc c'est ton prétexte pour te prendre, zombie, bien t'es dans le défi. Et puis, à la fin, petit zombie, un grand, qui zombificateur, question ça, c'est dommage. Bah, on brise pas de bon après-midi ou bien bon journée. Déjà, on a dit que je n'ai pas de temps encore. Donc, comprends. Ce que de bagaille important, mon n'a pas capable de donner le papier pour les 2 ans. Dans 2 ans, 1 an, pas grand rien qui dit que ce n'est pas la dernière fois que je vais violence là-dedans. Et m'a profité de faire une confidence. T'es un père qui t'est passé exilé ici. Un séminariste qui était une bonne amie. Mais elle était ici. Il t'a animé une revue au terrain les selles. Son père catholique, c'était le père Dominique. Par contre, si quelqu'un a eu une chance, il a rencontré père Dominique. Père Dominique écrit un article dans sel, journal à les selles, c'est-à-dire le salt, sale, sel. Parce que dans des affiches, il y a sel. Mythologie, c'est petit zombie qui baille. Petit et un gant qui baille zombie au sel, et puis depuis zombie pour sel, il m'a enragé. Donc là encore le travail de l'amour, hein? C'est l'amour. Sultana, fille du zombificateur, a aimé un zombie et elle lui a donné du sel que monsieur lui-même, ça c'est juste ça nous besoin. C'est juste ça nous besoin. Pour nous apprendre à séparer. Pour nous apprendre à partager, il n'y a pas de prix pour changer Haïti. Pas aucun pays dans le monde, et pas Haïti seulement, qui a changé, si pas de partage, si pas de la main tendue, si pas de convivialité, si pas de fraternité. Fais-nous ensemble pour nous changer. Donc, livre-là, pratiquement, c'est ça qui constitue non récit, non histoire, c'est zombie qui révoltait. À partir du moment où vient pour celle. The core of the novel is found in the revolt of the zombie as soon they have ingested salt that brings them conscious of their situation. Parce qu'ils n'ont jamais de sel de manger zombie. Because zombies are not supposed to consume salt because otherwise they will come back to life and be a full person again. Now, the book ends in violence and
But the main message of the book is the message of sharing. In the story of Sultana, who gave the salt to Clodoris the zombie, and without sharing, there is no salvation. And that's the lesson we have to think about in the context of Haitian society. Alors ça que m'aime, puisque qu'on est obligé à fonti presser, marcher presser, ça que m'aime sorti dans désafi, dans mieux à crever, dans ultra vocal, pour mal tomber dans dernier livre ça qui peut même publier aucun côté. Ce dernier livre m'écrit, et là on l'appelait la bande ici, c'est Franck Etienne qui écrit. Parce que c'est le livre de celui qui a la foi. Je vais me permettre de lire avant de passer à ce texte, dans son essence. Souvent, ça va peut-être difficile de traduire, mais tu donneras l'essence. Tu donneras l'essence. Souvent, je m'exerce à faire le saut miraculeux à l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi, pour essayer d'entrevoir le mouvement de la divine spirale qui me relie au tout. Mais le tout, c'est Dieu. Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est le corps de l'univers infini. Et ceci m'a été donné à la fois par l'astrophysique d'Einstein, parce que je suis un scientifique. J'ai enseigné les mathématiques, j'ai enseigné l'optique et j'ai beaucoup lu sur la physique quantique de Neil de Planck et beaucoup lu sur la physique relativiste d'Einstein. La spirale me relie au tout et je dis que ce tout c'est Dieu. Excusez-moi. Les francs protestants ou les francs catholiques ou les islamistes qui seraient dans la salle, c'est ma conception à moi. Malheureusement, on n'aura pas le temps de discuter, le temps est très court. Quand on regarde l'immensité de l'univers avec des étoiles qui sont plus grosses que le soleil et que le soleil lui-même est déjà 750 fois plus gros que la Terre. Oh, les étoiles sont plus grosses que le soleil. Il y a des milliards d'étoiles dans les galaxies. Et chaque galaxie que vous regardez, notre galaxie, à nous, qu'on appelle la Voie lactée, cette galaxie ne représente qu'une toute petite partie de l'univers. Elle contient des milliards d'étoiles, mais il y a des milliards de galaxies. Et il y a des corps pour y parvenir. Ça nous coûterait 2 millions d'années-lumière pour y arriver. Or, une année-lumière, c'est la distance, un kilomètre parcouru par la lumière, 300 000 km secondes, car vous faites ça, 300 000. Donc, vous imaginez jusqu'où se trouvent les frontières de cet univers qui n'existe pas. L'univers n'a pas de frontières, l'univers n'a pas de bords. Eh bien, c'est le corpus de Dieu, car il est fait de particules, et toutes ces particules sont en nous, soit dans le microphone, soit dans un grain de sable, soit dans le plafond, soit dans tout. Dieu est tout. Rarement j'arrive à gérer mes vertiges. Et ceci qui est important pour vous, pour moi aussi, l'entrebâillement, on bagaille qui entrebâille, pas même ouvert net. L'entrebâillement de quelques petites fenêtres scientifiques dans les domaines de la physique quantique et de l'astrophysique, les innombrables épreuves de la vie, ça forme tout, mes amis. Donc l'important, professeur Eddy, vous me dites ça, l'important, épreuve ou tomber, au moins que dit goût d'un jour, madame Okito, Marie Okito, petit ou mourir, ou cancer paraît. Une maladie qu'on pas même, il y aurait d'ailleurs même sa maladie orpheline, les maladies rares qui c'est vous même choisir pour venir jour qu'elle monte sur vous. Eh bien, toute épreuve ça y est, je ne dis pas que je rencontre toutes, mais je rencontre un peu.
mon seul la date d'abandon a dit non, moi m'opérer déjà du cancer de la prostate. Ça fait 18 ans et me camper la femme à là-bas. Elle me dit femme à là-bas, femme à là-bas. Donc, alors j'ai dit les innombrables épreuves de l'existence et les essentiels questionnements de la vieillesse. Quand j'ai conscience d'être vieux et la vieillesse est aussi un apprentissage autant que la jeunesse, autant que la maturité. Il faut apprendre à être vieux. C'est une gestion. Il ne faut pas vous plaindre car vous avez un lot de maladies. Douleur lombaire, douleur aux genoux, douleur aux orteils, douleur partout. Et vous avez tout cela que vous ne pouvez pas appréhender, qui à l'intérieur de vous vous donne des problèmes, c'est-à-dire le cœur, rythme cardiaque, hypertension, qui commence à vous mettre d'eau parfois depuis 40-50 ans. L'aile pas roux, l'aile pas hyper, l'hypo. Donc, toutes ces innombrables épreuves et les questionnements de la vieillesse m'ont permis, voilà le sens de ce livre, m'ont permis non pas de découvrir Dieu. Je n'ai pas découvert. Qui peut découvrir Dieu? Quel pape? Quel pasteur? Quel évêque? Quel gourou? Quel maître de l'islam peut découvrir Dieu? Dieu est l'invisible qui est partout, qui est en nous, qui est même dans le lit que vous dormez, qui est même dans l'oreiller sur lequel vous déposez votre tête chaque nuit. Il est là, ce souffle, ce silence, il est là, il sait tout, parce que tout en communication avec cellules et toute particule qui est dans l'univers. Eh bien, je n'ai pas découvert Dieu. Mais j'ai pu flairer la dimension du divin et le souffle de l'invisible à travers les mystérieux battements de l'être. Voilà où je suis arrivé. Et je me permets, en marge de la fatigue qui est plus présente chez les vieux que chez les jeunes, avec la sollicitation répétée de Indran, je me permets, non pas de mettre fin, parce qu'on va causer, on va poser des questions pendant quelques minutes. Vous allez, si possible, me faire le plaisir d'acquérir quelques-uns de mes livres, et surtout le dernier. 2 minutes de phrasé musical, parce que ma première activité dans la vie n'a été ni la poésie, ni le théâtre, ni la peinture. J'ai été chanteur d'opéra de 15 ans à 25 ans. Wow. À l'époque, j'étais un ténor brillant, chantant Mozart, Puccini, Verdi, Donizetti. Mais avec l'âge, on ne peut pas demander à un homme de 83 ans d'être un ténor, car si Papa Oti vivait encore, il serait devenu un baryton. La voix devient plus grave quand on prend de l'âge. Donc, s'il y a quelques fluctuations ou défaillances, je vous demande de m'excuser. Au départ, c'est la voix d'un vieillard qui veut vous rendre ce plaisir d'écouter et d'imaginer ce que Franck Etienne était il y a 60 ans. Un vieillard de 40 ans. Criot son demi-roi, les bains. Criot son demi-roi. Oh les baies, Aïsan, oh Aïsan, billet, billet, Aïsan, oh Aïsan.
Thank you.